Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder dans Houdini la réalisation d'une modélisation procédurale, donc d'un mur constitué de pierres que l'on va pouvoir ensuite importer dans Unreal Engine, comme on peut le voir ici sur cette composition d'environnement 3D où on a mis le mur donc ici en avant-plan, et on va pouvoir donc l'utiliser et pouvoir surtout le modifier aussi dans Unreal en l'important donc exportant et important en format HDA et l'important dans Unreal en récupérant les paramétrages que on a donc induits, mis en place dans Houdini, notamment par exemple la hauteur du mur, le nombre de pierres sur l'horizontale et ainsi de suite, et la forme éventuellement. Donc pour réaliser ça ensuite dans Unreal, il faut bien préparer dans Houdini la modélisation procédurale de telle manière que les paramètres soient atteignables ensuite par Unreal et l'utilisateur donc du mur ou de la modélisation procédurale en général dans Unreal. Ok, donc dans Houdini, on va regarder principalement sur la solution ici de réalisation de modélisation procédurale les boucles que l'on peut créer pour générer donc au fur et à mesure donc un mur par exemple. Mais ce que l'on va voir ici pour un objet simple, je dirais, de modélisation procédurale comme un mur donc constitué de pierres de tailles différentes, c'est ça qui va nous intéresser ici. On va donc pouvoir appliquer cette méthodologie là dans d'autres exemples plus complexes, éventuellement de construction de bâtiments, de ponts par exemple, ou d'autres éléments donc divers et multiples ici. Donc l'idée générale pour complexifier un peu, c'est d'avoir un visuel un peu plus riche, je dirais entre guillemets, c'est de réaliser donc, comme on le voit ici, des pierres de tailles différentes qui sont agencées, qui sont bien agencées l'une à côté de l'autre. Donc notre principal souci, ça va être de pouvoir récupérer donc la longueur donc de la pierre ici, on est sur l'axe X hein, dans Houdini, et donc la longueur de la pierre correspondra à la distance entre deux points sur lesquels seront créées donc chaque pierre au fur et à mesure. Donc l'idée générale, c'est de venir donc ici mesurer la distance entre les deux points. Entre deux points qui sont sur la même horizontale et qui se suivent. Ok, donc on va venir dans un premier temps comprendre comment on réalise donc une ligne, et puis après on pourra faire les quatre lignes. Donc d'où l'idée, je vais juste décrire rapidement le pipeline ici de construction. En fait, on voit qu'on a deux boucles imbriquées, hein. Ici on a deux boucles imbriquées, je vais essayer de rassembler un peu plus pour qu'on voit, voilà. Créer de l'espace pour que ça soit plus aéré, que ce soit plus lisible, mais à un moment donné on a trop d'espace, ici voilà, ok. Donc on va venir ici créer donc deux boucles imbriquées l'une dans l'autre, la première boucle faisant donc la hauteur du mur et définissant le nombre de lignes horizontales de pierres que l'on va créer, hein. Et donc ça c'est défini assez simplement et de manière assez classique avec une ligne que l'on va donc ressembler et que l'on va donc avoir en mode point. Ok, ici, donc je vais revenir, hop, voilà. Donc ici ce qu'on va avoir, donc c'est la ligne, on va retrouver sur le côté, le ressembler, donc je fais apparaître les points, point ici, donc on peut les grossir, donc géométrie ici, point size, de telle manière qu'on les voit mieux. Ok. Donc du coup là c'est les sommets donc de la ligne vertex, et on va passer donc en mode add et on a les points. Alors le node add, on l'utilise pour déléter donc la géométrie et garder donc effectivement l'ensemble des points ici. Donc à partir de ces 4 points, là j'ai créé 4 points, on peut en créer plus bien sûr, on va les passer un par un, je dirais, dans la boucle, donc c'est dans la grande boucle que l'on voit ici, on va les passer un par un pour que chacun puisse générer sur sa ligne horizontale donc un nouvel ensemble de points justement. Alors ici, pour simplifier la démonstration, j'utilise un add à la suite donc de la première boucle qui va générer les points. Donc c'est un mode donc ici automatique. Donc ce add va nous éviter d'écrire donc une boucle. On pourrait rajouter une boucle ici, hein, for each, comme on a fait sur la suivante, pour créer donc l'ensemble des points là, et les positionner éventuellement ici de manière aléatoire. Bon, on choisit plutôt ici l'option de définir le nombre de points manuellement. Encore une fois, ça pourra se faire donc à partir d'un paramètre pour définir donc la longueur du mur, hein, ici en remplaçant le add par une boucle avec une variable donc définie au-dessus sur la boucle pour pouvoir donc rentrer ici le nombre donc de pierres que l'on va avoir. Ici, on va en compter donc 7, donc de 1 de 0.0 à 0.6, donc de 1 en numérotation jusqu'à 7 ici, et on va avoir donc cette série de points. Donc si on regarde ce que ça donne une série de points alignés donc qui se suivent les uns derrière les autres, avec donc une distance ici d'une valeur de 1. C'est ce que j'ai rentré ici dans le add. Donc ici, c'est pour rapidement créer donc un ensemble de points. J'ai utilisé le add. Encore une fois, il faudra faire une boucle si on veut paramétrer ce nombre de points et le retrouver dans Unreal pour paramétrer le nombre de pierres. Ici, l'attribut triangle va permettre donc justement par une fonction aléatoire programmée écrite sur le PX, donc la variable @px principalement, de pouvoir décaler donc les points les uns par rapport aux autres, je dirais, par rapport à leur position initiale, comme on peut le voir ici là sur le fond bleu. On voit que maintenant ils ont donc ils n'ont plus la même distance entre eux, ils ont des distances légèrement donc différentes, et donc ça sera un équilibre à trouver dans cette formulation ici donc de @p.x. À partir de là, eh bien, on va venir, donc, étant donné que maintenant on a la position donc, des points x, y, en x, y, z, eh bien, on va pouvoir venir calculer donc, sur l'axe x qui nous intéresse particulièrement la différence entre le px et le px suivant ou le px précédent, pour avoir donc la longueur qui est la distance entre les deux points et qu'on va appeler la longueur de la pierre. Donc on va faire une boucle sur chaque point qu'on va passer en revue donc dans cette boucle là, et on va venir chercher donc le point supplémentaire, enfin le point qui est devant plus ici. Alors comment on pratique pour la réalisation de cette boucle là, c'est là-dessus que va porter donc le tutoriel principalement. Et bien, on va donc venir créer une boucle. Donc pour créer une boucle, je le rappelle, hein, on fait for ici, on a différents types de for qui nous sont proposés. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est for each point ici, parce que on boucle sur les points et sur la numérotation des points. Donc on clique dessus ici et on va avoir donc deux éléments ici, donc voilà, for each begin et for each end ici, qui vont constituer la boucle dans laquelle à l'intérieur on va pouvoir mettre des nodes. Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir mettre plusieurs différents nodes qui vont faire différentes choses, à la différence donc d'une boucle qu'on va retrouver dans une programmation VEX, dans lequel bien on devra écrire des lignes de commande et pas utiliser donc des nodes. Alors que là, on peut utiliser, bon là j'utilise un attribut triangle, mais on pourra utiliser d'autres types de nodes, bien entendu, comme on le verra juste en dessous avec le copy stamp. Ici, ce qu'il faut penser, c'est faire un create meta import node qui va créer ce fameux node qui est sur le côté et qui va permettre de réaliser le compteur en fait. C'est lui qui fait les itérations. Du reste, dans ce node là, si je fais i et ici, alors bon, c'est pas lancé, donc je vais faire pas sur celui-là. Sur celui-ci, si je fais i, j'ai deux detail attributs, itération et le nombre d'itérations. Donc c'est bien itération ici qui m'intéresse de récupérer. On peut se poser la question, alors je vais effacer ce que j'ai fait ici, voilà, je reviens sur ma boucle, on peut se poser la question pourquoi donc la numérotation n'arrive pas directement dans la branche for each. Bien parce que à chaque boucle ici du for each, c'est un avantage et un inconvénient, on redémarre à zéro. Donc en fait, si on regarde par exemple à l'intérieur, là on a toute la solution donc des points, ok. Ici, si je regarde, j'ai toute la solution à la fin du for each, j'ai toute la solution donc de mes points ici qui sont distribués. Mais si je regarde donc, je regarde l'attribut triangle, et eh bien je vais avoir un seul point ici. Et ce point, il a la numérotation donc 0 par défaut, enfin par défaut tout le temps. Voilà, il a 0, même si c'est pas le point 0, ce qui est le cas ici, même si c'est pas le point 0 dans la boucle, dans la branche principale ici, donc la première qui va venir sur l'attribut triangle en 0, la valeur du point et les caractéristiques donc du point, si je fais arrobase p de x, y, z, ça sera de la valeur 0. Alors ça peut être utile pour justement à chaque point donc récupérer de manière indépendante les valeurs et les retraits. Mais c'est un inconvénient si on veut donc aller chercher le point suivant. Donc si c'est 0, ça sera 1, ou 2 points plus loin, ça sera 2. Mais ça sera toujours 0, 1, 2, et on bouclera pas sur de 0 à 7. Donc c'est pour ça que cet élément donc dans le bloc begin ici existe, parce que il va faire donc encore une fois l'itération ici, et c'est cette valeur d'itération qu'on va récupérer qui elle évolue de plus 1 à chaque boucle. Donc du coup on va se retrouver avec l'attribut triangle ici. Alors regardons comment est connecté donc l'attribut triangle. Il est connecté d'abord sur la ligne principale en 0 ici, ok, et ça repart pour le bloc end ici. Ensuite on va mettre l'itération en position 1 ici, puisque là on est en position 0, 1, et en position 2 on va mettre donc les caractéristiques de la série de points que l'on veut donc étudier. Donc ces valeurs de points, enfin en position x, y, z, on les a dans l'attribut triangle au-dessus, et eh bien on va pouvoir donc les récupérer dans l'attribut triangle 2 à travers donc la connexion qu'on fera ici en 2 du point de vue du VEX, mais c'est la troisième hein, en termes de visibilité ici, mais il ne faut pas confondre la numérotation souvent dans le VEX et dans les écritures commence à 0, donc 0, 1, 2 ici. Ok. Et donc dans l'attribut triangle, non il ne fallait pas cliquer, c'était au-dessus, on va écrire donc quelques lignes ici de programmation, de VEX, qui vont nous permettre principalement de pouvoir définir la longueur de la pierre et le mettre comme attribut. Donc expression, edit in external, ici je prends mon éditeur externe ici que j'ai plugué dans Houdini, ce qui nous permet de mieux voir donc ce qui se passe, enfin lire les lignes ici donc de l'attribut triangle. Donc je vais récupérer la valeur donc d'itération à chaque fois de la connexion 1, le detail de la connexion 1, de la variable itération qui est un scalaire, donc j'ai un 0 ici derrière. Donc j'ai la valeur, donc ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis l'iter plus, que j'appelle l'iter plus et iter plus, hein, aussi simplement. Après, je définis une variable pour success, parce que j'en ai besoin dans les points d'attribut, dans les variables points d'attribut. Il faut que je mette une variable ici d'attente pour savoir si point d'attribut trouve quelque chose, c'est success à 1, autrement c'est à 0, ça peut être utile. Donc on a on définit deux vecteurs, donc le premier vecteur positeur, donc il va me donner la position donc de l'itération du point. Je récupère donc l'information avec la fonction pointAttribute qui va aller chercher donc comme son nom l'indique l'attribut du point que je vais définir avec la numérotation iter ici. Je vais définir l'attribut que je vais récupérer ici, c'est P, et je vais, avant, la valeur 2 correspond au canal sur lequel je vais aller chercher cette information-là. Donc on a vu qu'on a connecté l'attribut angle 1 sur le canal 2, le troisième est le canal 2, qui s'appelle 2, de l'attribut angle 2, et donc c'est pour ça que j'ai un 2 ici, attribut P, iter, donc la valeur du point 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, et puis success ici. Je fais la même chose, c'est la même formule sauf que je remplace par iter plus, ce qui fait que j'ai mes deux vecteurs et des deux points qui se suivent, la valeur d'iter plus iter plus, et j'ai plus qu'à faire donc arrobase longueur de la pierre, donc ici je fais donc positer plus point x moins positer x, ce qui fait que j'ai la différence de position entre les deux points ici, ce qui me donne ce que j'appelle la longueur de la pierre. Donc, et ici on vérifiera bien qu'on a donc une bonne solution, c'est toujours très conseillé. Donc je viens à la fin de ma boucle ici et je vais venir dans le géométrie spreadsheet ici, hop, pour voir donc les PX, PY et PZ que j'ai récupérés, hein, c'est bien ce que je récupère ici si je fais I, j'ai longue pierre et P ici comme deux points attributs, c'est bien ce que je récupère ici dans la géométrie spreadsheet, PX, PY, PZ et longue pierre ici, et puis je regarde donc les valeurs pour voir si c'est logique que j'obtienne donc ces valeurs-là, effectivement, donc entre... le PX, si je prends par exemple entre 0 et 1, PX de 1,5 et PX de 0,026, ben si on obtient 0,23, ça paraît 1,23, pardon, ça paraît assez logique. Voilà. La seule valeur qui va un peu ne pas fonctionner, et j'aurais pu le mettre dans la boucle si if, la dernière valeur ici, c'est 7, on peut donc la faire sauter, on ne l'utilisera pas, ou on lui donne une autre valeur, on essaie de chercher sa valeur, on lui donne une valeur, puisqu'elle a pas, elle est libre d'avoir la longueur qu'elle veut, ici, et on aurait pu très bien donc faire une condition, si la valeur est la dernière, ici mettre une longueur du style 1.2, 1.3, ou voilà, ou une moyenne, faire une moyenne des points précédents, pourquoi pas, hein, ça c'est tout à fait possible. Et donc là j'ai préféré supprimer la valeur, après le nul ici, le delete ici, hop, et du coup voilà, je fais sauter la valeur, parce qu'elle a une longueur pierre qui ne correspond à rien. Bon voilà, c'est une solution simple, il y en a d'autres bien entendu. Et du coup, avec ces longueurs de pierre ici, je vais utiliser une fonction copy-stamp qu'on a déjà vue dans les tutoriels, et ça va permettre donc de pouvoir créer donc, les pierres. Alors je fais ça à partir d'une box simple, je préfère une modélisation plus complexe ici, donc je fais une box. On va enlever les numérotations ici, voilà, une box que je transforme, remesh, je sais pas où elle est, ok, là voilà, ici, smooth, un peu de noise, et donc j'ai une pierre moyenne ici, qui va changer de valeur avec le long pierre, et être transformée avec le copy stamp, donc là il me met le matériau, directement, ici, et donc on voit des longueurs de pierre différentes, et on voit les points, ici qui sont positionnés, donc j'ai décalé la forme pour avoir le point de pivot à l'extérieur, de telle manière que la longueur de la pierre soit dirigée vers le X positif, et le point de pivot donc de la pierre, c'est le point ici qu'on voit, soit bien positionné par rapport à la longueur de la pierre que l'on veut créer. Donc c'est un petit truc à transformer dans la box qui va permettre donc d'obtenir la bonne distribution donc des pierres par rapport au point de départ. Ok, et donc on fait ça pour les quatre hauteurs, ça c'est la deuxième boucle, et ça nous fait donc notre mur ici à la sortie. Donc voilà, ici donc je reviens sur l'attribut triangle principal ici, donc sur la création de la longueur de pierre ici, on a pu le faire. Alors il y a d'autres méthodes dans Houdini pour le faire. Ça c'est une méthode simple avec la boucle qui va nous permettre donc de pouvoir créer donc un attribut qui s'appelle longue pierre, dépendant donc de la position, pas du point actif, parce qu'à ce moment-là on n'aurait pas eu besoin de l'itération, puisque le point actif on l'avait dans la première branche, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais j'ai besoin de savoir à quel point on est, quelle valeur d'incrément on est, et de pouvoir incrémenter donc d'une valeur de plus avec itère plus, une itération de plus, pour pouvoir donc avoir le point suivant. J'aurais pu faire le point précédent pour avoir d'autres informations, ou faire une moyenne entre les deux. Je peux récupérer effectivement l'ensemble des points ici, éventuellement, qui sont présents au début de la boucle, avant de rentrer dans la boucle. Ok, voilà, donc, et puis à ce moment-là, on va pouvoir donc venir l'importer ensuite, on le verra dans un prochain tutoriel, importer le mur dans Unreal Engine pour pouvoir le mettre en place au moins, et si ce n'est le modifier.